Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse. Tout le monde va bien? Bien sûr. Merci, merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse. Comme l'a dit madame Tina Salama, ma collaboratrice, j'ai écourté mon séjour en Europe au moment où l'éruption volcanique a eu lieu, dans le but de rentrer au pays et de piloter moi-même à distance la gestion de ce drame. Et à ce moment-là, nous avions décidé, j'étais encore en Europe, ensemble avec le Premier ministre, de déléguer très rapidement une délégation ministérielle qui allait venir s'enquérir de la situation et ensuite de faire rapport, ce qui a été le cas. Et à partir de ce moment-là, il fallait gérer donc la crise. Je crois que ça a été fait de fort belle manière. Je profite de l'occasion ici pour féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais ensemble aussi avec tous les humanitaires qui ont tout fait pour être là. C'était pas évident. Les aéroports nationaux étaient fermés dans cette région. Et donc, ils ont dû chercher par plusieurs moyens, principalement par Kigali, pour atteindre Goma et ses environs et gérer ensuite cette crise. Et donc, comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé, je suis venu moi-même pour voir ce qu'il en est, parce que là, nous sommes à l'étape du retour des déplacés. Donc, c'était très important d'être là pour déjà ne fût-ce que leur apporter la consolation nécessaire, le soutien nécessaire, et surtout la promesse que l'État ne les abandonnera jamais. Donc nous sommes venus les écouter et essayer de voir aussi quels sont leurs problèmes. Parce que beaucoup ont perdu des biens personnels, ils ont perdu des maisons. Et donc il faut très vite s'enquérir de la situation, de l'étendue de cette, tous ces forats où se traiteront ces dossiers. Je tenais à vous dire en substance, avant éventuellement de me prêter à vos questions, je suppose qu'il y en a, et de présenter notre ami Andrew Forrest, à qui aussi vous pourrez poser des questions. Je vous remercie. Je trouve que vous allez vite en besogne, je viens d'arriver. Laissez-moi le temps d'intégrer aussi l'ampleur des dégâts. Je vous ai dit que je venais consoler les populations, mais ça ne va pas s'arrêter là seulement. Je crois que déjà, avant que je n'arrive, il y a une délégation du génie militaire qui est arrivée, qui est là pour essayer de reconstruire les maisons de certains habitants de la ville qui ont été détruites. Donc, ça prendra un petit temps, le temps de comprendre ce que les uns et les autres ont perdu, mais tous les efforts seront fournis pour redonner tant soit peu de confort, de consolation à ceux qui auront perdu quelque chose.
Donc, c'est pour ça que je suis là. C'était, comme je vous l'ai dit, il y a eu une équipe qui est venue ministérielle avec des fonds qui a apporté quand même quelques solutions aux problèmes trouvés. Mais évidemment, comme on ne connaissait pas l'ampleur réelle des dégâts, donc on ne pouvait pas tout résoudre à ce moment-là. Donc, je viens maintenant pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter de l'aide et de la consolation. Et là, je dois dire encore une fois merci à nos frères, à mon frère Uhuru Kenyatta, président du Kenya, qui a très vite volé à notre secours en apportant quatre grandes cargaisons dans des avions gros porteurs. Et donc, à part lui, il y a eu d'autres pays qui nous sont venus aussi à l'aide. Donc je viens explorer tout ça pour en comprendre la teneur. Peut-être qu'à la fin de mon séjour, je pourrai mieux répondre à cette question. Alors, au sujet de votre du second volet, mais vous devez savoir que l'état de siège ne devait pas tout régler immédiatement à partir du moment où il avait été décidé. Donc, c'est quelque chose qui se fera. En tout cas, il y a des avancées considérables. Ça, je peux vous le dire, je suivais déjà à distance. Maintenant, je vais m'en imprégner une fois que je suis ici. Bien sûr, il reste encore quelques poches de violence et ça ne m'étonne pas. Comme ces barbares savent que aujourd'hui, nous sommes engagés résolument à les faire disparaître, à les neutraliser. Ils vont essayer d'exister en faisant davantage de violence. Mais c'est à leur corps perdu qu'ils le font, parce que nous n'allons pas nous décourager. Au contraire, cela ne fait que redoubler notre détermination à en finir avec eux. Donc, ça ne nous impressionne pas, ça ne nous fera surtout pas reculer et surtout pas changer de décision. L'état de siège est décidé parce qu'à un moment donné, il fallait donner la parole à la force et c'est cette force qui sera appliquée jusque dans les derniers retranchements de ces barbares. Alors, quant au troisième volet, rappelez-le-moi encore, c'était avec, oui, les miliciens qui sont partis, qui, oui, ça c'est un problème que je déplore toujours, mais soyez tranquilles, là aussi il y a des solutions. Très bientôt, je pense la semaine prochaine, je vais désigner les animateurs du processus DDRCS, démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation, dans le but justement d'encourager ces redditions et surtout de prendre en charge ces jeunes gens qui vont quitter ces groupes armés et les préparer à une nouvelle vie en communauté. Donc cette fois, il y a du concret et là, j'aimerais aussi saluer au passage le soutien de la Banque mondiale qui a très vite volé à notre secours en nous apportant 50 millions déjà pour commencer dans la cagnotte de ce processus DDRCS. Et j'ai bon espoir que c'est un processus qui marchera parce que cette fois-ci, le but est vraiment de prendre en charge ces miliciens du début jusqu'au moment où ils vont retourner complètement transformés dans leur communauté. Voilà. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai les vagues ici derrière, donc ça fait du bruit. Bon.
bon, je suis au courant par rapport à ces écoles et je suis complètement désolé par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, j'arrive à peine, donc je n'ai pas la totale mesure de l'ampleur des dégâts. Mais de la même manière que nous sommes résolument engagés à reconstruire certaines maisons, j'ai parlé du génie militaire qui est déjà ici, je crois que vous êtes même mieux informé que moi pour le savoir, nous aurons la même détermination aussi à réparer les écoles qui ont été détruites ou abîmées. Donc, laissez-moi quelques jours, le temps de voir les autorités de la place, d'aller saluer les déplacés, les sinistrés, d'avoir une idée de la question, je pourrais décider alors à ce moment-là de manière judicieuse. Merci. L'état de siège n'a pas un temps limité. L'état de siège est là pour la première fois lorsqu'il a été ordonné. Il a pris un mois et après cela, il y a tous les 15 jours une évaluation qui est faite et à partir de ce moment-là, on procède à sa prolongation si les résultats escomptés ne sont pas atteints. Alors, lorsque vous dites nos objectifs, mais il n'y en a qu'un seul, c'est d'éradiquer cette violence et les auteurs de cette violence. C'est ça l'objectif. Maintenant, la stratégie, ce n'est pas ici que je vais la dévoiler. Sinon, vous pensez bien, là où ils sont, ils vont s'organiser. Ce qui est vrai, c'est que dans les rangs des forces armées nationales, il y avait quelques, on va dire, imperfections. Et ça, je compte y travailler. J'y travaille déjà, mais je compte encore y travailler. Je ne vais pas vous dire des imperfections de quel ordre, mais est-il que ce que nous allons faire est destiné à renforcer les capacités de notre armée, des forces de sécurité, parce qu'il n'y a pas que l'armée qui doit travailler. Et c'est vrai, elle opère sur le terrain, mais il y a la police qui doit protéger les populations. Il y a les services de renseignement qui doivent traquer ces barbares et leurs réseaux à la fois internes et internationaux. Donc tout cela fait que nous sommes obligés de prendre un temps, de le faire calmement, sans passion, mais avec détermination pour arriver à bout. Très bien. Bon, d'abord, d'entrée de jeu, rassurez-vous, ce n'est pas demain qu'on va délocaliser. Donc, vous devez être tranquille. Mais vous êtes peut-être jeune, je ne sais pas quel âge vous aviez dans les années 70, si même vous étiez déjà né, je ne sais pas. Mais vous devez savoir que dans les années 70, cette ville n'était pas aussi habitée qu'elle l'est aujourd'hui. Ça veut dire que vos parents, vos arrière-grands-parents étaient peut-être ailleurs et ils vivaient bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est normal, il y a eu sûrement un exode rural vers Goma, etc. Bon, ce n'est pas reprochable. Mais il se fait aujourd'hui que on a un volcan dangereux et toujours en activité dans cette ville. Et malheureusement, la ville s'étant étendue,
Les habitants, aujourd'hui, on trouve des habitants jusqu'au pied de ce volcan, on va dire. Donc, ça veut dire que ces gens restent exposés. C'est vrai qu'on dit que ce volcan revient tous les 20 ans et qu'ici, les gens traditionnellement considèrent ce volcan comme un voisin. Ils disent même qu'ils vivent en voisin avec le volcan. Mais la responsabilité des autorités que nous sommes, c'est de protéger les populations. Et ce qu'a dit le ministre, c'était quelque chose de sensé, qui va dans le sens justement de protéger les populations. Et c'est ça notre intérêt. Moi, je ne veux pas que dans 20 ans, si je suis encore en vie, qu'il y ait une éruption ici et qu'on fasse le procès de ceux qui ont été des autorités en cette période, qui ont vu ce volcan et qui savaient que ce volcan allait ressurgir encore dans les années qui viennent, de n'avoir rien fait. Je ne veux pas qu'il y ait ce procès. Je ne veux pas rester dans l'histoire comme étant responsable d'une telle catastrophe. Et vous savez, pour ce qui est arrivé ici, il n'y a pas eu de signe précurseur, annonciateur de cette éruption. Donc ça veut dire que ça peut arriver. Et les gens disent peut-être 18-20 ans, peut-être que ça peut arriver dans moins que ça, moins de temps que ça. Et d'une manière encore imprévisible. Donc nous devons prendre nos précautions. D'ailleurs, en marge de cela, j'ai aussi décidé de créer une agence de prévention des catastrophes et de gestion de ces catastrophes-là. Donc c'est tout à fait normal. C'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, ça nous pousse à réfléchir à ce genre de choses. Donc ne le prenez surtout pas mal et ne croyez surtout pas que ça va se faire au détriment des intérêts des populations. Donc nous ne déplacerons ces populations de Goma que si et seulement si nous sommes sûrs et nous avons les moyens de créer une nouvelle ville ou une extension d'un autre côté de la ville pour déplacer tous ceux qui sont au pied du volcan et les protéger en les mettant ailleurs. Donc, soyez vraiment rassurés, il n'est pas question de brusquer qui que ce soit ou de piétiner les droits de qui que ce soit. Voilà. D'accord. D'accord, non, on peut prendre une dernière. Très bien. Merci, Monsieur Tikuma, voilà. Non, je crois que cette question, il faut attendre Monsieur Andrew Forrest pour la lui poser. Et parce que vous avez raison, les Congolais ont trop attendu. Depuis Inga 2, on a annoncé, et Inga 2 c'était dans les années 80, on a annoncé Inga 3, Inga 4, ce n'est jamais arrivé. Et lorsque moi, je préfère parler du moment où j'arrive aux affaires, parce que là, au moins, je connais. Ce n'est pas des racontars, c'est du concret, c'est du vécu. Lorsque je suis arrivé aux affaires, j'ai trouvé l'existence d'une sorte de consortium qui n'en était même pas un, parce que j'ai rencontré les Espagnols d'un côté qui disait qu'il n'était pas du tout dans le consortium avec les Chinois, pas encore, il ne l'avait pas encore formé. Et puis plus tard, j'ai reçu une forte délégation de la Chine, emmenée par le ministre des Affaires étrangères chinois lui-même, à Kinshasa, à qui j'ai expressément posé la question sur l'intérêt de la Chine dans le projet Inga. Et sa réponse était claire. Pour le moment, il n'y était pas engagé. Il serait éventuellement intéressé s'il y avait un développeur avec qui il pouvait discuter, etc. C'était clair. Donc j'ai compris que ce consortium, ce projet, à travers ce consortium, était mort, ou mort-né ou inexistant. Et puis j'ai rencontré d'autres, je ne vais pas les citer tous, ça ne sert à rien, j'ai rencontré d'autres souscripteurs, si je puis les nommer ainsi, qui sont venus avec les mêmes ambitions de vouloir développer ce projet, etc. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis aux affaires.
je n'ai toujours rien vu d'aussi concret, d'aussi prometteur que le projet que nous présente aujourd'hui M. Andrew Forrest. Et j'ai dit que c'est lui qui vous en parlera le mieux, parce que c'est lui qui finalement va devoir investir les moyens qu'il a. Donc c'est lui qui pourra le dire. Mais pour la première fois, depuis mes 2 ans et demi, je ne parle pas d'avant, je ne sais pas ce qui se passait, pour la première fois, je vois un investisseur sérieux. Sérieux d'abord par sa taille, sa capacité financière, mais également sérieux par le projet qu'il propose et qu'il compte développer dans notre pays. Sérieux parce que ce projet, non seulement il est, comme je l'ai dit ici, il entre dans le contexte actuel de la transition énergétique, mais il est porteur de beaucoup de bénéfices pour la République, pour ses habitants, sa jeunesse. Donc, il vous en parlera mieux que moi, parce que c'est lui qui porte ce projet. Et nous, en tant qu'État, notre devoir, c'est celui de l'encourager et de mettre à sa disposition tout le contexte nécessaire à cette fin. Et il est très conscient que ce projet, je le veux avant tout panafricain. Il le sait. Et je lui ai dit que ce projet doit être ouvert surtout à nos frères africains qui frappent à la porte pour accéder à celui-ci. Nos frères africains, mais également à d'autres aussi, mais c'est lui qui en parlera le mieux. Il est très ouvert sur cette question. Il a bien sûr ses principes que je partage aussi, c'est-à-dire qu'il veut que tous ceux qui viendront s'inscrire dans ce projet tiennent compte de la formation des Congolais à la gestion de ce projet et à son maintien. Il n'y a pas meilleure offre que celle-là. C'est vraiment du win-win, tel que je l'entends dans toute coopération que mon pays va développer avec des partenaires, quels qu'ils soient. Ça doit être du gagnant-gagnant. C'est pour ça que lors de mon dernier passage au Katanga, à Kolwezi précisément, j'ai tapé du poing sur la table en disant « Je ne peux pas comprendre un tel partenariat où c'est celui qui vient investir qui est toujours heureux et nous, on n'a rien, on ne retient rien de ce partenariat. On ne garde rien, si ce n'est que des petites constructions ci et là qui n'ont aucun impact ni sur l'économie, ni sur le développement humain de nos populations. Donc voilà, ce sera avec M. Andrew Forrest le premier exemple de ce qu'est ma vision, ce que je souhaite voir dans un partenariat win-win avec des investisseurs étrangers, d'où qu'ils viennent. Voilà. Andrew, come on, please. Thank you. Great picture. Okay. Can I stand here? Yes. No. Go there. Yes. De nos deux parties. Ben, je crois que je n'ai plus rien à dire. Je crois que M. Forrest a été clair. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Non, mais... Attendez, peut-être que... Oui, madame a peut-être une question sur... D'accord.
Par quoi? Ouais, regarde. Merci madame. À propos du dégazage du lac Kivu, vous devez savoir que c'est une préoccupation du gouvernement, une préoccupation devenue d'ailleurs prioritaire. Je pense que le ministre des hydrocarbures a séjourné ici récemment. Je ne l'ai pas encore vu malheureusement. Mais il est venu ici avec les entrepreneurs ou les représentants de cette entreprise qui va travailler sur le dégazage. Je ne l'ai pas encore vu pour en savoir davantage, donc je ne vais pas vous dire des choses que je ne maîtrise pas. Tout ce que je peux vous assurer, c'est que nous sommes vraiment impliqués là. Nous avons eu très peur avec la dernière éruption volcanique. Et donc, vous pensez bien que désormais, nous sommes focalisés sur cette opération de dégazage. Je vais la suivre particulièrement et j'ai confiance en notre ministre qui est jeune et dynamique pour trouver des solutions là-dessus. Donc, lorsque j'aurai un rapport assez précis sur les démarches qui se font, à ce moment, je pourrai mieux en parler et en toute assurance. De ces mesures. Attendez, je crois que c'est demain, je pense, que c'est prévu. C'est demain que je vais annoncer les mesures, les nouvelles mesures, malheureusement. Faites très attention. La pandémie de COVID-19 connaît une recrudescence dans notre pays. Pour le moment, l'épicentre, c'est Kinshasa. Nous essayons de tout mettre en œuvre pour contenir et mieux combattre la pandémie à Kinshasa pour pas qu'elle atteigne nos provinces. Mais attention quand même, vous êtes aussi une porte d'entrée dans la République par l'aéroport international et par les frontières que nous avons avec les pays voisins. Donc, prêchez vraiment l'attention, le respect et l'observation des règles barrières parce qu'il n'y a que ça comme première garantie de sécurité. Ensuite, il y aura la vaccination. Nous avons eu l'impression qu'au Congo, ça n'a pas beaucoup pris, et je comprends. Le produit qui est arrivé ici, c'était l'AstraZeneca, qui a fait parler beaucoup de lui, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cela a eu pour impact avec la manipulation des réseaux sociaux de refroidir la population. Mais nous allons entamer une autre campagne parce que d'abord, ici, nous allons viser la diversification de ces vaccins et aussi accroître l'information auprès du public pour que celui-ci fasse tomber la peur et s'engage. Et nous allons nous-mêmes prêcher par l'exemple en nous faisant vacciner. Voilà, parce que là, je dois avouer que moi aussi, avec toute la campagne qu'il y a eu sur AstraZeneca, la suspension à un certain moment par 11 pays de l'Union européenne nous a fait un peu douter sur le vaccin, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est très important. C'est aussi une des barrières, en plus des mesures de précaution, qu'il faut ériger contre la maladie. Et évidemment, nous avons la troisième barrière qui, elle, est plutôt curative. Ce sont nos produits, nous ne le disons jamais assez, mais les Congolais aussi prennent part à ce débat, à cette lutte contre la pandémie de Covid par deux grands produits connus,
peut-être pas encore assez par le monde, mais et même peut-être pas encore assez en République démocratique du Congo, mais que nous comptons promouvoir, accentuer les recherches, parce que ce sont des produits qui ont montré une certaine efficacité. Maintenant, il reste simplement à confirmer cette efficacité. Il s'agit de Manacovid et de Dubase C, deux produits qui ont été utilisés sur des patients de tout genre, atteints de toutes les formes de cette pandémie, et qui a montré son efficacité. Donc, il nécessite davantage de recherches pour enfin montrer à la face du monde qu'on peut aussi compter sur la République démocratique du Congo dans la résolution de cette problématique de la pandémie de Covid-19. Et bien sûr, à côté de, pour terminer, il y a ce besoin qu'ont les États africains, nous l'avons défendu lors de la dernière conférence à Paris, d'avoir aussi accès aux brevets qui leur permettront de pouvoir fabriquer, brevets et transferts de technologie évidemment, pour pouvoir aussi fabriquer des vaccins sur le sol africain. Et nous pensons que cela aura pour impact de rassurer davantage nos populations qui croient parfois, à cause des manipulations des réseaux sociaux et autres, que ce sont des produits imaginés pour détruire, nuire aux Noirs, aux Africains, etc. Donc voilà. Ce que j'avais à vous dire en substance, et je vous remercie encore pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Je suis encore là, je vais bouger dans la région, mais je terminerai par Goma avant de rentrer sur Kinshasa. Je vous remercie. Thank you.